Mbote mbote na biso bandeko ba imboka ba ibasuli bakuelamo ya kolanda milulu na biso mia lelo. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure où vous me suivez à cet instant. Voilà, c'est votre humble serviteur Google, toujours en connexion. Je ne vois pas pourquoi je porte ma paire de lunettes. Je vois très bien parce qu'il y a toute une liste de candidats que je voulais vous faire la lecture. Des noms de candidats qui sont candidat président aux élections présidentielles en RDC pour le mois de décembre. Donc, il nous reste deux mois, quelques jours. Et si on ne se trompe pas, donc, les élections se tiendront en date du 20 décembre 2023 de cette année que nous sommes. Alors, chers compatriotes, chers amis, chers internautes, voilà, c'est encore moi et avec beaucoup de plaisir de vous faire cette belle vidéo explicative. Il y aura une analyse politique, voilà, il y aura beaucoup d'exemples, illustrations, tout et tout. Et je vous demanderai tous de m'accompagner dans cette vidéo. Ne restez pas téléspectateurs. Si vous avez un petit commentaire à faire, balance-les, n'hésitez pas. Si pas moi, quelqu'un parmi nous qui a la réponse peut nous balancer sa réponse. Donc voilà, ne restez pas téléspectateurs. Faisons route ensemble. Voilà. On va essayer un peu. Bon, on ne fera pas le biographie de tous les candidats. Hein. Juste le poids lourd, on pourra, ou des candidats qui ne sont pas connus. Voilà. On pourra parler d'eux, mais ceux qui sont déjà connus. De poids lourd, donc on pourra juste dire 2-3 mots et puis on passe à autre chose, ok? Bon, cher ami, je ferai cette vidéo, ou je le fais déjà, en lingala et en français pour une compréhension collective, voilà. Si vous voulez bien, je pourrais rester en français ou en lingala, ça dépend de vous. Vous me faites signe en quelle langue voulez-vous et que je fasse cette belle analyse. Donc voilà, cher ami, on est là, j'essaye d'arranger ma caméra et le micro. Et si vous m'entendiez correctement, fais-moi signe, un cœur, ça me fera du bien de continuer au lieu de manigancer mon micro et ma caméra. Donc, voilà, là. Bon, c'est bon, impeccable. Voilà, c'est votre humble serviteur, Google. La CENI vient de clôturer la candidature de tous les candidats présidents pour les échéances électorales de 2023 au mois de décembre. Alors, la question qui se pose, qui sont les candidats? Qui est qui candidat aux échéances présidentielles de 2023, de cette année où nous sommes? Alors, ça nous fait un peu flou, pourquoi pas, impatience de connaître hein, ou de comprendre le candidat, leur nom, leur parcours, qui sont-ils? Ils veulent quoi? Ils ont quoi comme modèle? Ils ont quoi comme programme? Ils ont quoi? Qu'est-ce qu'ils proposent au peuple? C'est ça que le peuple attend d'eux. Le peuple congolais attend d'eux un projet de société viable qui correspond aux réalités du Congo. N'est-ce pas? Alors, pour ne pas vous tarder, parmi les candidats présidents, aux élections présidentielles de 2023. Je cite. Vous avez donc le premier candidat, le prix Nobel de la paix, le prix Sakharov, le professeur Dr Mukwege. Dr Mukwege, que vous connaissez tous, c'est un médecin qui soigne dans un centre hospitalier qui s'appelle Panzi à l'intérieur du Congo, particulièrement à l'est du Congo. Et c'est lui qui a soigné toutes les femmes de l'Est qui étaient violées, agressées sexuellement par des groupes rebelles ou par des soldats rwandais venus du Rwanda. Et ce monsieur a fait un travail de prestation. Il a soigné des mamans, il a redonné vie aux mamans et pourquoi pas redonner le sourire à ces mamans-là qui sont nos mamans. Ok? Alors, lui, il est à la fois professeur d'université, à la fois médecin chirurgien qui soigne
les femmes violées. Alors on suppose que ce monsieur, d'après sa conception, en soignant les mamans, il est capable de soigner aussi le Congo, qui est grèvement malade. Le Congo qui a besoin d'un traitement, d'un grand chirurgien comme Dr Mukwege. Donc moi je suppose, je mets Dr Mukwege au numéro 1. Au numéro 1, le docteur Denis Mukwege. Au numéro 2, vous avez le président sortant, Antoine Félix Tshisekedi, le fils du défunt et opposant à vie, et Tshisekedi wa Mulumba. Alors, ce dernier, il a déjà fait un mandat avec un bilan catastrophique. Un bilan, on ne peut même pas parler ça ici. Un bilan, d'abord, il a fait 5 ans d'un mandat qui n'a pas de projet de société, aucune perspective, aucun programme solide. Et voilà, dans son quinquennat, il y a eu des viols, des détournements de fonds de l'État, des agressions, des arrestations arbitraires. Et voilà la justice qui n'existait absolument pas. Alors, c'est aux Congolais de dire oui ou non sur M. Antoine Tshisekedi. Est-ce que la question qui se pose, il a un deuxième mandat devant lui ou c'est un perdant d'avant? Si c'est un perdant d'avance, alors on cite le nom de Moïse Katumbi, ancien gouverneur de la province de Katanga, l'homme autrefois qui disait « J'ai le goût et le plaisir de reconstruire ma province du Katanga, qui est le centre économique du Congo. » Parce que n'oubliez pas, au Katanga, il y a la Gécamine qui exploite 80% de matières premières du Congo. Il y a la cassiterite, il y a le cobalt, il y a l'uranium, il y a le cuivre, il y a l'or, il y a l'étain. Il y a presque toutes les matières premières précieuses du Congo qui se trouvent dans la province du Katanga, qui est devenue malheureusement subdivisée en plusieurs provinces pour des raisons que vous et nous, nous connaissons très bien. Ok? Voilà, c'est lui qui a subdivisé la province du Katanga, c'est un Rwandais Tutsi qui s'appelle Azarias Ruberwa. Autrefois, a été le ministre des Katakata. Yiba yiba katakata. Alors, en dehors de Moïse Katumbi, vous avez l'ancien premier ministre Matata Mponyo. Matata Mponyo, l'homme de Bokangalonzo. Une histoire louche qui laisse jusqu'alors le pleu au fond du cœur des Congolais. L'homme qui avait tapé sur la table et que lui, il fera nourrir le Congo par le maïs du Congo. Et aujourd'hui, son projet, c'est un fiasco. Un projet qui se solde par la suite, par de pillages des tracteurs, des détournements de fonds, de projets. Deux fois de suite, Premier ministre Matata Mponyo 1, Matata Mponyo 2. Aujourd'hui, l'homme veut conquérir la trône du pays, la présidence de la République. La question qui se pose sur tout ce qui s'est passé à l'époque de Matata 1, Matata 2, est-ce que ce peuple congolais a toujours confiance à ce monsieur qui a laissé ces Congolais en déception? Là, c'est une question qui nécessite une réponse. Vous avez Martin Fayulu. Martin Fayulu, le candidat dessus aux échéances présidentielles de 2018, voilà. Il semblerait que c'est lui qui était le vrai président sortant avec 62% et Tshilombo Netekian, usurpateur d'élection ou de vote de Martin Fayulu. Aujourd'hui, on parle de quoi? De sa revanche ou il a encore la confiance avec ce même peuple qu'il avait poussé à prendre le pouvoir en 2018, le pouvoir qui était volé par Félix Antoine Tshilombo. Et plus tard, lui-même, le candidat dessus, a pardonné M. Tshilombo qui lui avait volé son pouvoir
volé son élection. En dehors de Martin Fayulu, vous avez Alain Moutamba. Soit bien que Alain Moutamba, l'homme de diamant, le grand Kassaïen, l'homme qui s'y saute à l'oreille de Tshilombo. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il est méconnaissable sur le terrain. Personne ne le connaît. Sa carrière est dans l'ombre. Personne ne le connaît. Mais pourquoi il est là? Alors, est-ce que c'est un candidat fictif qui se cache derrière Tshilombo? Ou c'est un vrai candidat qui est réellement à la conquête du pouvoir? Ça, c'est une question qui nécessite une réponse. C'est à vous de nous donner la réponse. Écrivez vos réponses, les gars. Je vous ai demandé de ne pas rester les téléspectateurs. Faisons route ensemble. Participez dans cette vidéo. Si vous avez une réponse, vous avez une idée, n'hésitez pas. Écrivez votre idée. Si pas moi, quelqu'un d'autre pourra vous répondre. Ok? Ne restez pas téléspectateurs. C'est hyper important. Donc, on ne sait pas grand chose sur Alain Moutamba. Et vous avez Res Kazadi, autrement appelé le combattant de Lumbe Lumbe, Mouete Mouete. Lumbe Lumbe, Mouete Mouete. L'homme qui faisait craindre, qui faisait même fuir les artistes et musiciens congolais sur la scène européenne. Res Kazadi. C'est quoi l'idée de Res Kazadi? Parce qu'une fois Res Kazadi, en 2018, avait postulé aux élections législatives pour devenir député dans la commune de Lemba. Soi-disant, il est né là-bas, grandi en Europe. Mais il était méconnaissable même dans la commune de Lemba. Méconnaissable. Personne ne connaissait ces noms-là, à part des musiciens qui fument agressés par lui-même, Res Kazadi, en France, pendant le bataille de résistante de Lumbe Lumbe, Mouete Mouete. Alors, on se pose la question, est-ce que Res Kazadi n'est pas un candidat fictif qui se cache derrière Tshilombo? Est-ce que Res Kazadi, qui ne travaillait pas en France, où est-ce qu'il a pris les 65 000 dollars pour présenter sa candidature? Ça, c'est une question qui nécessite une réponse. C'est à vous de répondre, ce n'est pas à moi. Res Kazadi, candidat président aux élections. Étonnant, hein? Alors, la liste continue. La liste continue. Il y a de quoi éventrer le boa tout de suite là. Vous avez Mouzitu qui est connu de tous, le pion de Kizenga. Là où on parlait de Palu. Là où on parlait de Palu avec Monsieur Antoine Kizenga, l'homme qui détenait le livre sacré, le livre d'or du Congo, les livres qui cachaient le secret du développement du Congo. Mais le Messie est mort sans laisser à ses disciples Palou le livre sacré, le livre d'or. Aujourd'hui, voilà, ce livre-là a pour naissance un enfant au nom de Mouzitu. C'est à l'époque de Mouzitu où il y a eu la mort d'Arma Tongolo. À l'époque de Mouzitu où il y a eu l'assassinat de Fleribert Chebeya et de M. Bazamba, son chauffeur. Est-ce qu'on se pose la question, Mouzitu? Tout ce que tu as engendré, tout ce que tu as donné comme service à Kabila et au Rwandais, crois-tu que c'est disparu dans le cerveau des Congolais? Les Congolais auront vraiment confiance à vous élus comme président de la République, en étant premier ministre, ton mandat était un fiasco. Crois-tu que le Congolais là, que tu qualifies des idiots, pourrait te voter à la tête du pays? Ça, c'est une question qui nécessite une réponse. Vous avez Jean-Claude Baende. Jean-Claude Baende, vous le connaissez, c'est un homme politique. À l'époque, il fit d'ailleurs gouverneur de la province de l'Équateur. Bon, lui, c'était les détournements.
C'était de vente de café, de plantations de l'État, de cacao, tout et tout. Voilà, ici en Russie. Il a fui une fois, allé se cacher en Europe. Il est retourné, travailler encore avec des ennemis. Voilà, le monsieur est là encore. Je ne sais même pas. Il n'a même pas voulu être premier ministre, ni ministre actuellement. Mais il veut conquérir la tête du Congo. Est-ce que les Congolais auront confiance à monsieur Jean-Claude Bayende, l'ancien gouverneur de l'Équateur? Ça, c'est une question qui nécessite une réponse. Vous avez Marie-Josée Ifuku. Marie-Josée Ifuku, vous la connaissez, c'est une dame, c'est la seule femme entre les 24 candidats, c'est la seule dame âgée de 58 ans. Marie-Josée a travaillé dans la politique congolaise, dans l'ombre, à l'extérieur et à l'intérieur du Congo. C'est un nom méconnaissable du public congolais. Elle n'est pas connue. Mais nous qui sommes des, voilà, nous sommes des analystes et qui maîtrisent bien la politique du Congo, on les connaît. On la connaît, cette dame. Donc, voilà, elle a aussi misé sur sa candidature en tant que la seule et unique femme parmi les 23 hommes. Est-ce que la chance va lui sourire ou pas? Est-ce que les Congolais, cette fois-ci, pourront dire, ah bon, voilà, les hommes font beaucoup de mal, négligent la population, nous voulons une dame à la tête du pays? Parce qu'on parle de l'émancipation de la femme aussi au sein de la société congolaise. Pourquoi pas une femme à la tête du pays? Ça, c'est une question qui nécessite aussi une réponse. Vous avez Tony Bolanda. Tony Bolanda, vous le connaissez, une fois au Parlement, une fois vice-ministre, parti en Europe. On se pose la question, un homme comme Tony Bolanda, méconnu au grand public congolais, est-ce que ce n'est pas un candidat fictif qui se cache derrière tout l'ombre? Ça, c'est une question qui nécessite une réponse. À vous, les claviers, les gars. Essayez de donner des réponses que vous avez. Si vous n'avez pas de réponse, on dirait que, bon, voilà, vous ne connaissez pas tous les candidats, sauf Mokwege Fayulu ou Tshilombo. Mais le reste que je vous cite, vous ne les connaissez pas, oui ou non? Excusez-moi. En dehors de Tony Bolanda, vous avez Noël Tchani. Noël Tchani, connu du grand public pour sa fameuse amendement, son fameux amendement de père et de mère. L'homme qui voulait, à travers le député Tsingy, introduire une loi qui exige que pour donner votre candidature au niveau de la CENI, vous devez être né de père et de mère. Noël Tchani n'est pas un nouveau candidat. Souvenez-vous, vous avez quand même une idée, en 2018, il était un candidat malheureux. Lui aussi, il avait postulé sa candidature en 2018, mais il avait seulement eu 1,8%, pas même 2%, 1,2%. En 2018, le candidat malheureux, l'homme qui travaillait une fois à la Banque mondiale internationale et qui devient, je ne sais pas, il est là pour Kabila, pour Félix Tshilombo. On ne sait pas beaucoup de choses sur lui. L'homme qui n'a pas de domiciliation. L'homme qui passe la nuit à l'hôtel. L'homme qui change les femmes comme des vêtements. Et l'homme qui a aussi en lui la sécurité du président de la République avec deux policiers, une voiture de la présidence et une chambre de suite dans un grand hôtel de la place. Alors, on se pose la question. Noël Tchani, n'est-il pas un candidat fictif qui se cache aussi derrière Tshilombo? Ça, c'est une question qui nécessite aussi une réponse. Vous avez Seth Kinouni. Seth Kinouni. Sauf des gens comme nous qui les connaissaient. Sauf des gens comme nous qui les connaissaient. C'est un nom méconnaissable. Il n'est pas connu au grand public congolais. Alors, un homme comme Seth Kinouni, moi je crois bien qu'il ne peut même pas avoir 1%. Il ne peut même pas avoir 1% dans ces élections. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce que ce n'est pas un candidat fictif
qui se cache aussi derrière Tshilombo? Ça, c'est une question qui nécessite aussi une réponse. Parce que n'oubliez pas, à l'époque de Kabila, Kabila aussi l'a fait. Plusieurs candidats pour tourmenter l'élection afin de centraliser leur candidature à un candidat commun, à la personne de monsieur, à la personne de monsieur Kabila. Alors aujourd'hui, on voit, on dirait que l'ancienne carte revient encore sur la table. C'est-à-dire, il y a des candidats qui sont méconnaissables au grand public congolais, mais qui sont là quand même. Je ne sais pas qui vont les voter. Qui? Moi? Ah! Oumouga. Vous avez encore Rajabo, Tebabo, Soborabo. Ah! Donc le groupe d'Azarias Rubero et de Nyarugapo ont aussi leur candidat, Mouniamoulenge. C'est pour cela que je n'ai pas vu le nom de Moïse Nyarugabo, Azarias Rubero. Ces gens-là ne manquent pas à chaque élection présidentielle du Congo. Que ce soit de 2006, que ce soit de 2011, ils sont là avec leur candidature. Mais cette fois-ci, tous les agents rwandais de Paul Kagame se sont retirés. Ils observent de loin, mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. Ils ont envoyé un candidat au nom de Rajabo, Tebabo, Soborabo. Rajabo, Tebabo, Soborabo, c'est monsieur Emunyamulenge qui représente aussi des Rwandais qui vivent au Congo à la magistrature présidentielle, excusez-moi. Est-ce qu'un Congolais peut faire ça au Rwanda, même au Congo-Brazzaville, même au Gabon? Vous savez pourquoi Étienne Mundele a quitté le Gabon pour se réfugier au Canada? Vous savez, vous avez l'histoire. C'est parce qu'il était devenu plus gabonais que Omar Bongo, son ami. Étienne Mundele. Et le monsieur était un ami proche d'Omar Bongo à l'époque. Alors, vu la confiance d'Omar Bongo et des Gabonais, les Gabonais lui prenaient comme un fils gabonais. Et il avait même le passeport gabonais diplomatique. Mais un jour, ces derniers voulaient aussi postuler à la magistrature suprême. Et Omar Bongo a voulu sa tête. L'homme a fui le Gabon pour se réfugier au Canada. Un dollar qui rayonne. Étienne Mundele, que son âme repose en paix. Continuons. Vous avez Théodore Ongoï. Théodore Ongoï, une fois fui Kabila pour se réfugier au Katanga. L'homme qui a façonné Kabila dans une grande bataille électorale. Aujourd'hui, il se présente lui-même. Le maître veut se battre lui-même à la place de ses élèves. Est-ce que tout le mal que Théodore Ongoï a subi au peuple congolais, il peut encore avoir la confiance de ces peuples qu'il qualifie un peuple idiot? Parce que là où on a caillassé le chien peut retourner encore là s'il y a l'os qu'il est en train de chercher. Sans oublier, il oublie toujours que l'endroit qu'il met encore le pied, il était caillassé. Donc le peuple que Théodore Ongoï a manigancé, a tripoté pendant les élections, a arraché même leur élection pour donner à Kanembe. Et il y revient encore à ce peuple pour leur donner encore leur confiance. Est-ce que le peuple congolais pourra encore avoir la confiance à ce monsieur, un grand voleur, un démon qui se dit homme de Dieu? C'est aux Congolais de faire le choix. Parce que ce monsieur incarne Lucifer. On verra bien. On verra bien. L'avenir nous donnera raison. Vous avez Franck Diongo, l'homme qui connaît les quatre coins de la prison de Makala. Franck Diongo, l'homme qui suppliait, l'homme qui murmurait à l'oreille de Tshisekedi Wamulumba.
un ancien opposant, l'homme qui maîtrise bien la politique congolaise. Mais une fois Frank Diongo voulait postuler au gouvernorat de la province du Congo central, il était vite écarté pour le gouvernorat de la province du Congo central. Frank Diongo n'était pas élu. Est-ce que Frank Diongo pourrait battre un score plus avancé que les autres candidats dans cette échéance électorale? Ça, c'est une question qui nécessite une réponse. Vous avez Costa Mutamba. Baluba Bayandoki. Bande wa Chilombo. Donc, Chilombo, na yena. Na bouclier humain na ye penda kout bon bouye. Donc, bino bo bate la nga na katikati. Encore na outio bima docteur Kozal. Na sa na diplôme na nga na maboko ya Kozal. Bako mona. Jean-Claude Mutamba. L'homme du diamant. L'homme qui murmure à l'oreille de Tshisekedi Chilombo. Qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce que ce n'est pas un candidat fictif qui se cache derrière Chilombo? Ça, c'est une question qui nécessite une réponse. Parce que des gens comme des Jean-Claude Bahende, Costa Mutamba, Res Kazadi, tous ces gens-là sont derrière Chilombo. Vous comprenez? Et la carte qui est là, vous comprenez? Vous voyez directement qu'est-ce qu'ils veulent manigancer là-dessus? Qu'est-ce qu'ils font là? Voilà, c'est une question. Qu'est-ce qu'ils font là, tous ces gens-là? Ils veulent arrondir ou agrandir seulement la liste. Ou ils sont vraiment sûrs d'eux qu'avec le choix du peuple, ils peuvent devenir président de la République? Ça, c'est une question qui nécessite une réponse. Vous avez Justin Mundereza, deuxième candidat Munyamulenge. Deuxième candidat, donc c'est comme s'il y a eu Moïse Nyarugabu et Azarias Urbero. Donc ils se sont retirés, ils ont mis devant eux leur pion. Mais attention, ce ne sont pas n'importe quel candidat. Ce sont des candidats directement de Kabila à travers Kingakati et Kigali. Donc la carte aussi peut servir ces gens-là si la tricherie ne va pas directement au camp de l'UDPS. Mais la tricherie change de camp. N'oubliez pas, ces gens-là aussi contrôlent aussi la CENI. Justin Mundereza. Munyamulenge. Munyarwanda. Rwanda. Vous avez Georges Bouze Faley. On dit qu'il est plein de diaspora. Plein de diaspora dans cette compétition électorale. Georges Bouze Faley, méconnaissable au public congolais. Sauf des gens comme nous qui le connaissent. Mais c'est un homme, un véritable héros dans l'ombre. Alors on se pose la question, qu'est-ce qu'il fait là? Lui aussi, il veut devenir président du Congo. Ou il veut devenir tout simplement député pour bénéficier aussi ses 21 000 balles. N'oubliez pas, la portion demandée ou le montant demandé pour être candidat président n'est plus de 100 000 dollars, mais cette fois-ci de 65 000 dollars. C'est peinard. C'est passible. Donc, vous avez la réponse pour Monsieur Georges Bouze Faley, qui est d'ailleurs ancien directeur du cabinet de Laurent Désiré Kabila. Il n'est pas un homme d'aujourd'hui, moi je l'ai connu à l'époque de Mzé Laurent Désiré Kabila. Vous comprenez? Donc ce sont des gens qui sont méconnaissables, qui ne sont pas connus au grand public congolais. Mais nous, des gens comme nous, on les connaît. Donc, je connais ce monsieur. Il était directeur de cabinet de Laurent Désiré Kabila, DIRCAB, à l'époque.
Vous avez Pasteur Abraham Ngalassi. Pasteur Ngalassi. Avec l'esprit de Dieu. Bima, bima, la milimonanga. En lui, on pourra dire que toutes les églises de réveil pourront être derrière lui. Parce que c'est l'unique. Non, il n'est pas l'unique. Il est avec Théodore Ngoy. C'est deuxième candidat, homme dédié, qui se présente à la magistrature suprême aux séances de 2023. Vous avez encore l'homme d'affaires, Nkema Lilo, Bokonzi Lilo. Oh, Bangal Équateur, oye, oye, Équateur, oye, oye. L'homme qui incarne Mobutu Sese Seko, Kukungwendo Wazabanga, longtemps oublié. La province de l'Équateur, longtemps oubliée. Cette fois-ci, ils n'ont pas hésité à faire sortir devant leur fils. On verra bien. L'Équateur aussi a besoin de diriger de nouveau ces grands pays qui est le Congo, autrement la République démocratique du Congo. La liste est tellement longue, les gars. Son ami André Massalou, André Massalou, l'activiste, vous avez encore l'activiste Florbert Anzuluni. Anzuluni, vous connaissez son père, fille, ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, Anzuluni Mbemba. Donc voilà, son fils revient encore à la scène et il veut aussi devenir le futur président de la République démocratique du Congo. Pourquoi pas? Vous avez l'ancien léopard. L'ancien léopard. Patrice Mwamba. Vous le connaissez, non? Patrice Mwamba, l'ancien léopard, l'ancien footballeur léopard, à l'époque de notre vieille Sende, Mutubile Santos, comment s'appelait le deux grands frères là? Nzalambi là, le deux jumeaux là, les Nzalambi là. C'est leur promotion. Les anciens joueurs de l'époque. Je ne parle pas de l'époque de Roger Itoto. Non, non, non. Je parle avant Roger Itoto. Parce que la période de Roger Itoto était lors de... C'était en 1990, après la sortie... Non, après l'élection de Mandela, que la sélection de Roger Itoto était venue à l'époque à l'équipe sud-africaine, il y avait McCarthy, Dr Kumalo, vous avez encore une idée sur ces deux équipes, RDC, Afrique du Sud. Mais lui, il était bien avant. Donc, vous avez un ancien footballeur qui veut aussi devenir président de la République du Congo, pourquoi pas? Au Libéria, vous avez George Weah, qui a fait le foot, et une fois, il a fait aussi la politique. Aujourd'hui, il a deux mandats consécutif. Pourquoi pas ces messieurs puissent devenir aussi président de la République démocratique du Congo? C'est au peuple de faire les choix. Le changement s'appelle le peuple et non les candidats. On est d'accord? La liste est tellement longue. Vous avez le 24e candidat que tout le monde attendait. Vous avez le 24e candidat que tout le monde attendait. Non, 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 non. Vous avez deux candidats qui restent. Il reste Antoine Félix Tshilombo et Délice Essang. Il reste deux candidats. Alors, je commence d'abord par Délice Essang et puis je reviendrai sur Antoine Tshilombo. Parce que sur la candidature d'Antoine Tshilombo, il y a beaucoup à éventrer le boa. Il y a beaucoup de choses là à parler. Vous avez Délice Essang, le bras droit. Le bras droit de Jean-Pierre Bemba. Lorsque Jean-Pierre Bemba a créé la MLC,
Le MLC, figure de guerre, voilà. Et ils disent que c'est un groupe de libération, c'est un parti politique qui était venu pour libérer le Congo. Nanana. Mais Déli Sessanga fit un colonel au sein du MLC. Ils ont fait la guerre avec Jean-Pierre Bemba. Ils ont massacré les gens de l'Équateur. Moi, je me pose la question. Si réellement Jean-Pierre Bemba fit arrêter à La Haye, pourquoi ils ont laissé son bras droit Déli Sessanga? Déli Sessanga devrait aussi purger 10 ans d'emprisonnement comme son bourreau Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui, Déli Sessanga a des carrières minées partout à l'Équateur et à l'Est du Congo. Et cet argent-là qu'il veut dépenser pour devenir encore président, de bien piller la caisse de l'État, de bien fonctionner et ses carrières minières. Ce n'est pas moi qui vote Déli Sessanga. Moi, je voterai Dr Mukwege. J'ai ma carte d'électeur, je voterai Dr Denis Mukwege. C'est à l'ensemble du peuple majeur qui vont voter, qui vont faire un choix, qui diront oui ou non sur une personne, une, pas deux. Mais moi, ma personne ou mon candidat est déjà connu, ce monsieur Dr Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, le prix Sakharov. L'homme qui réparait une fois le maman violé. L'homme qui donnait le sourire à nos mamans. Et pourquoi pas, cet homme n'a pas cette énergie-là de réparer encore le Congo, qui est fracassé, qui est détruit, qui est pillé jusqu'au dernier centime. Chers amis, chers compatriotes, comme je vous ai dit au départ de cette belle vidéo explicative, je ne voulais pas vous énumérer les noms des candidats comme ça, sans pour autant vous l'expliquer, parce que vous ne les connaissez pas la plupart. Il y a quelques 4, 5, 6 candidats que vous les maîtrisez, mais la plupart des candidats que je viens de vous énumérer, vous ne les connaissez pas. C'était primordial, c'était nécessaire de vous expliquer chacun de candidats à la tête du pays. C'est hyper important. Pour terminer cette belle émission explicative, je m'arrête sur un candidat qui répond au nom de Félix-Antoine Tshisekedi. L'homme à 40 promesses. L'homme qui disait une fois, j'ai beaucoup de choses à faire devant moi, je ne peux pas fouiner dans le passé de l'ancien président. L'homme qui a empêché la justice de faire son boulot. L'homme qui a dessus le Congolais. L'homme qui a un bilan néfaste. L'homme qui ne peut pas oser parler de son bilan devant ce public congolais. L'homme qui a dessus. L'homme qui a marché sur le nom de son père, Tshisekedi wa Mulumba. L'homme qui a dessus le grand Kassai. C'est comme si on pensait à l'élection de Barack Obama. Voilà la tête des États-Unis, il y a un noir qui paie au nom de la justice et résoudre l'indifférence entre le blanc et le noir. Mais le noir américain avait tort d'y croire que leur fils à la peau noire pourrait mettre la justice et l'égalité entre tout le peuple américain. C'est le même cas qui se passe entre les Kassaïens et Chilombo, qui se dit moi, je suis votre fils par parole, mais dans les actes, Chilombo n'est qu'un ennemi des Kassaïens. Et vous allez vite regarder dans l'ombre ceux qui combattent dans le vrai Chilombo. Ce ne sont pas des gens du Bandundu, ce sont des vrais Kassaïens. Le vrai Kassaïen qui aime agir selon la loi et non selon l'amour ou selon l'apparence. L'émotion n'existe pas chez les Kassaïens. Même si tu es le nôtre, même si tu es le nôtre, quand tu marches en déroute, quand tu ne marches pas selon la loi, on va vous haïr comme les Kassaïens ont fait à Chilombo. Ceux qui combattent Chilombo aujourd'hui ne sont pas les gens du Katanga, non plus les gens du Maniema. Ce sont des Kassaïens. Ce sont des Kassaïens. Les Kassaïens sont comme des Juifs.
Ils n'acceptent pas n'importe quoi. Même si tu es l'air, tu ne marches pas selon le lignée tracé par les ancêtres kassaïens, le lignée tracé par Lumumba, le lignée tracé par Kassafoubou, le lignée tracé par Mvoulous Kimbang, tu ne seras pas considéré comme le nôtre. Point barre. J'appelle à la vigilance à tous les Kassaïens du monde entier et de vous demander, au nom de l'amour du Congo, au nom de l'amour du Congo, ne votez pas ce monsieur-là, Tshilombo. N'essayez pas. N'essayez pas, Dieu va vous punir. N'essayez surtout pas. N'essayez même pas une seconde. Ne le révoltez pas. Ne lui donnez plus la tête du pays. C'est un dangereux pour le Congo dans son ensemble. C'est un dangereux. Longtemps humilié, longtemps courbé à la manière de l'hymne national congolaise. Dressons nos fronts, les gars. Dressons nos fronts. Cette fois-ci, nous devons faire un choix judicieux. Moi, je vous dirais, c'est pas parce que ce monsieur n'est pas Moulouba qu'on peut le négliger. C'est pas parce que ce monsieur, son hôpital n'était pas en Mbujimayi. C'est pas parce que ce monsieur, peut-être il n'a jamais mis ses pieds au Kassai, peut-être il a mis des pieds mais on ne le connaissait pas. Mais c'est un Congolais, comme tout autre Congolais. Il a l'amour du pays. Il a un projet. Il exerçait déjà un projet de réparer ce qu'ils étaient négligés. Et surtout le maman. Il a redonné le sourire au maman. Certes, ce monsieur peut redonner le sourire à tous les Congolais. Et pourquoi pas réparer le Congo qui est détruit par Kabila et Tshilombo. Je vous demande tous de voter massivement M. Dr. Denis Mukwege. Votez-le au nom de l'amour du Congo. Abandonnons Tshilombo. Abandonnons-le. Ce n'est plus question maintenant c'est Balouba, demain c'est Bakongo. C'est fini ce genre d'histoire-là. Le Congo n'a plus besoin de ces gens-là. Le Congo a besoin des institutions fortes pour bâtir un Congo meilleur. Le Congo, c'est pour nous tous. C'est pas pour les Balouba, c'est pas pour les Bakongo, les Banga. Le Congo, c'est pour nous tous. C'est la mère patrie à nous. Vous savez, il y a un complot d'État, un complot contre les Congolais et les Congos. Vous savez pourquoi Kabila n'a pas postulé ou n'a pas donné un candidat? Parce que Kabila a déjà un dauphin. Le dauphin de Kabila s'appelle Tshilombo. Ils vont tout miser. Ils vont tout faire pour relier Tshilombo, même à la tricherie. Parce que la sécurité de Kabila et le clan rwandais Tutsiland est entre les mains de Tshilombo. Maintenant, vous comprenez pourquoi Kabila ne veut pas présenter un candidat. Soyez vigilants, les gars. Il y a déjà un complot d'État qui se passe à Kingakati et à Kigali. Soyons prudents, peuple de Dieu, peuple congolais. Il est temps d'arracher notre liberté. Il est temps d'arracher ce qui était volé par ces gens-là. Abandonnons nos différentes réflexions, nos différentes idées. Restons soudés. Pour le Congo et pour l'amour du Congolais. C'est hyper important. Je demande à tous les Congolais âgés de 18 ans, à tout Congolais qui est détenteur d'une carte électorale, donc qui est censé de voter, même pour la première fois ou pour la deuxième fois, ne votez surtout pas Tshilombo. Jamais. Jamais depuis. Jamais. Votons tous, Docteur Denis Mukwege, l'homme qu'il fallait à la place de celui qu'il fallait. L'homme qu'il faut à la place de celui qu'il faut. Nous t'aimons bien, Docteur Denis Mukwege. Tous, je dis tous, derrière cet homme, Ingeta, Ingeta.